Tableau ou chaînage. Au début de l'algorithmique, on utilise surtout des tableaux et tous a l'air de bien se passer. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait faire avec des variables indicées, enfin, ce qu'on peut imaginer dans une bibliothèque avec plein de variables sur des étagères. Et puis un peu plus tard, en cours, on apprend la notion de chaînage qui est bien plus compliquée, qui du coup demande à être justifiée. Et au final, après quelques années d'enseignement, on peut se demander ce qui est le mieux entre les deux, qu'est-ce qui est le plus pratique ou le plus efficace entre les deux. Alors je me suis posé la question, moi, pour un problème tout bête récemment, à des fins pédagogiques quand même essentiellement, savoir si le tableau était vraiment plus efficace que le chaînage pour un traitement tout bête qui serait un traitement de parcours d'une liste, par exemple pour faire les éléments. Donc d'où l'idée de cette petite vidéo, où je vais me poser un petit peu, je vais rappeler un petit peu ce que c'est que le tableau chaînage, et puis après essayer de voir sur quelques tests pourquoi je me suis posé la question, qu'est-ce qui serait plus évident, plus efficace entre tableau et chaînage, et dans la pratique effectivement qu'est-ce qui est le plus efficace. Alors donc première chose, c'est un peu la définition. Donc je vais programmer en C puis regarder un petit peu ce qui se passe en assembleur. Donc en mémoire ou à la déclaration, donc un tableau, ben, c'est super simple. Là j'ai pris des tableaux de 100 éléments. Hein. L'idée c'est d'avoir une séquence de 100 entiers que je vais additionner. Donc un tableau d'entiers en C, c'est super simple à déclarer. Quand on veut faire un chaînage, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire une structure composite qui aura un élément de type entier et puis un pointeur sur l'élément, la cellule suivante composée de ces deux éléments-là. Et donc on a besoin au final d'avoir un pointeur sur la première cellule qui comporte un élément, puis le suivant, et ainsi de suite, ce qui est chaîné jusqu'à la fin. Alors en mémoire, pourquoi on utilise le chaînage? Parce qu'un tableau, donc si la mémoire, elle est, bon ça c'est vraiment une représentation très simpliste, mais on peut imaginer donc des cases qui ne sont pas utilisées, celles que j'ai mis avec des zéros, puis d'autres cases qui sont un peu utilisées. Si on veut utiliser un tableau de 100 éléments, ben, il faut chercher dans la mémoire un endroit où il y a 100 cases d'affilée qui sont disponibles. En général ça se passe bien. Alors ça se passe bien d'autant plus si on fait des petits programmes où on nous livre au départ la mémoire quasiment vierge et où il faut trouver un tableau de 100, donc il suffit que la mémoire soit assez grande au départ pour que le tableau tienne. Mais si on peut imaginer un programme qui doit fonctionner pendant des semaines et des semaines, en créant plein de listes, en les effaçant et autres, en fait la mémoire elle va être ce qu'on appelle un peu morcelée, c'est-à-dire qu'on va avoir des morceaux de données, puis d'autres morceaux qui auront été attribués à un moment à un tableau, puis libérés, puis d'autres morceaux de données, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la fragmentation. Et donc ça peut devenir éventuellement difficile de trouver une zone de 100 cases mémoire juxtaposées. Là, bon, c'est pas 100, hein, mais dans l'exemple, donc j'en prends une quinzaine, et j'ai pas pris non plus une centaine de cases en tout, mais on ne pourrait pas les disperser sans, enfin 80 ici, et puis, quelques-unes là, et puis un peu plus là-bas, et puis et ainsi de suite. Donc ça peut être une explication pourquoi on utilise le chaînage, c'est que le chaînage en fait, il peut prendre donc un petit morceau ici, puis après dire bah, la suite va se placer ici, et puis la suite encore après va se placer là, puis s'il y a toujours de la place ici, il va mettre la suite, ainsi de suite, et puis si on a besoin de rajouter un élément dans la liste, finalement ça va être pas très dur, il suffit de retrouver une place mémoire disponible quelque part, et pas une grosse place mémoire, hein, c'est à chaque fois des toutes petites places mémoire qu'on ajoute les unes après les autres, et puis enlever un élément, c'est pas très dur, il suffit de le libérer de cases mémoire. Tandis que si un tableau, donc côté gestion mémoire, c'est peut-être le chaînage qui est le plus facile à gérer. Alors ceci dit, là sur le tableau, donc il faut juste 100 cases mémoire, si une case mémoire ça fait un entier, tandis que là si on veut une séquence de 100 entiers, ben, il faut une case mémoire à chaque fois pour l'élément lui-même et une case mémoire pour l'adresse. Donc du coup ça fait, pour chaque entier il va falloir avoir deux cellules, hein. Une cellule pour l'entier lui-même, une cellule pour l'adresse suivante, qui va donner peut-être l'adresse de la case suivante tout de suite, et du coup on va avoir besoin de 200 éléments. Alors ça, du coup, le chaînage risque de coûter 2 fois plus cher. Or ça, c'est vrai, hein, dans cet exemple-là, mais dans un exemple un peu plus riche, où on aurait un tableau d'entiers, puis associé à d'autres choses, d'autres entiers, d'autres variables, booléennes et autres, d'autres donc un tableau de 100 objets plutôt que 100 entiers. Ici, on aurait donc les 100 objets qui demanderaient donc une place contiguë du coup, beaucoup plus grande, mais juste la taille des 100 objets. Tandis que là, on aurait toujours la taille des 100 objets qui serait là, donc 2-3 entiers, pareil, une chaîne de caractères et ainsi de suite. Et puis en plus, un pointeur. Donc du coup, en relatif, ça serait plus grand chose. S'il y a l'objet, il fait l'équivalent d'une vingtaine d'entiers. Le pointeur en plus, ça serait un 21e élément, 21e entier à sauvegarder. Ça serait en proportion 1/20e, alors qu'avant c'était autant de taille que le tableau initial. Donc la perte en mémoire ne serait pas très importante. Par contre, ça serait beaucoup plus simple de trouver des cases des morceaux de 20 cases disponibles que ici trouver 100 fois 20 cases disponibles. Donc on garderait de la flexibilité toujours avec le chaînage. Bon, mais c'est pas tant ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir l'exécution. Donc est-ce que c'est plus efficace, sachant que la mémoire c'est super important, mais dans une première approche on va pas s'en préoccuper. Donc à l'exécution, donc j'imagine simplement avoir une séquence d'entiers et je voudrais faire la somme. Alors la séquence d'entiers que je vais prendre, c'est probablement les entiers de 1 à n, ou de 0 jusqu'à n-1, et je vais faire juste la somme. Donc en termes mathématiques, ça s'écrit comme ça. Si les entiers, cette séquence-là d'entiers est dans un tableau, comme je viens de décrire précédemment, ça s'écrit en C de façon super simple. S égale S plus chaque élément du tableau, et les éléments du tableau, ben, il faut aller de 0 jusqu'à n. Si c'était une séquence chaînée, ben, il faut partir comme cellule courante de la tête de la tête de la séquence, et puis à chaque nouvel élément, on prend l'élément courant pour rajouter à la somme initiale, qui dans les deux cas est initialisée à 0, et puis on parcourt tout le tableau, toute la séquence, pardon, en passant d'une cellule à la cellule suivante. Ça, c'est l'idée du programme. Alors pourquoi ça serait plus cher de faire ça que de faire ça? A priori, si on regarde juste la ligne d'exécution, là il y a 2 lignes pour décrire, là c'est 3 lignes pour décrire. S'il y a 3 instructions, c'est peut-être un peu plus long. Alors bon, en fait c'est pas du tout ça, hein, c'est pas le nombre de lignes qui dicte ce qui est long ou pas long à écrire, c'est plutôt le nombre d'opérations qu'il y a à faire. Alors si on regarde précisément donc chaque chose, hein. Là pour le tableau il y a une initialisation, ça c'est fait une seule fois, donc c'est pas ce qui coûte. Là il y a un test, alors le test par contre ça coûte, donc ça veut dire faire une soustraction i-n et puis vérifier que le résultat est négatif ou pas. Il y a une addition à chaque tour de boucle, puis une addition à chaque tour de boucle associée à une affectation, bon c'est peut-être fait en même temps, et puis il y a ça qui est un peu difficile à compter comme coût, mais c'est un accès tableau à une certaine adresse de base T plus une taille d'objet entier multiplié par l'indice de l'objet qu'on veut atteindre, donc il y a peut-être une multiplication à faire, donc tout ça voilà, c'est peut-être c'est un peu coûteux. Donc au final on a probablement donc 2, 3, 4, 4 additions, une multiplication, un test, une affectation pour faire la séquence avec des tableaux. Pour la séquence chaînée, donc là le test il est beaucoup plus simple, donc il y a quand même un test là à faire, il reste une addition, et là j'avais pas dit mais un accès mémoire, il va y avoir aussi là 2 accès mémoire, donc un de ce côté là, un de ce côté là, mais au final il va y avoir beaucoup moins d'additions, hein. Je vois là qu'une seule vraie addition, tout le reste c'est plutôt des accès mémoire et des affectations, donc c'est à comparer entre ce qui serait ici très arithmétique, hein, plusieurs additions et même une multiplication là, avec seulement une addition mais plus d'accès mémoire de ce côté-là. Alors bon voilà, donc du coup il faut aller voir après dans les détails comment chaque chose, instruction d'addition ou accès mémoire, coûte pour voir comment ça se passe. Donc on va se mettre sur une machine. Voilà, donc sur cette machine j'ai déjà préparé 3 programmes. Alors on va commencer avec premier tableau, donc c'est pratiquement pour voir un petit peu ce que je viens de décrire. Donc je prends un tableau, alors c'est pas de 100 parce qu'on ne verrait pas trop le temps, mais 10 000 éléments. Je l'initialise avec les entiers et puis je fais une boucle 10 000 fois. Alors ça va peut-être être un peu gros 10 000 fois parce que... alors je vais changer ça parce que ça prend trop de temps, je viens de l'observer. Donc on va faire 10 000 fois. Est-ce que je suis au bon endroit? Non, c'est probablement pas celui-là. Donc je vais en prendre un autre, le bon j'espère. Allô? Ça arrive, voilà. Donc c'est le programme. Donc les initialisations. Tableau, je vais pas faire la boucle 10 000 fois, ça va prendre trop de temps. Je fais la boucle seulement 100 fois pour que le temps soit quand même non négligeable et que l'initialisation du tableau soit, on peut l'espérer, prise dans et négligeable par rapport aux 100 fois traitement du tableau. Bon, éventuellement on mettra 500 ou 1000 si nécessaire, mais ça prendra du temps. Mais déjà 100 fois. Et donc le traitement lui-même, il est là, hein, qu'on veut observer. C'est partir de la somme dans un tableau égale à 0, et puis rajouter petit à petit à chaque élément du tableau. Et à la fin, on veut l'afficher. Voilà ce que ça donne. Alors, on va l'exécuter, donc on le compile. Alors il y a plusieurs façons de le compiler, hein. D'abord pour l'exécuter. Hein. Bon, il y a quelques warnings, c'est pas très grave. Tiens, on va voir si je peux quand même en enlever certains. Il n'y en a plus que un. Bon, il n'aime pas comment j'écris, c'est pas grave. Et si on l'exécute, alors c'est quasi immédiat. Pour voir un peu plus combien de temps ça prend, on peut préfixer la commande par time, et donc ça reste quasi immédiat. Donc c'est là où peut-être que j'ai été un peu prudent en mettant que 100 fois, il faudra peut-être que je fasse 1000 ou 10 000 fois. Ceci dit, là ce qui est exécuté, c'est exécuté sur une machine plutôt, enfin type Windows, x86, Intel, et pas Windows, plutôt Intel, le processeur. Je veux l'exécuter pour voir un petit peu le code au niveau assembleur, donc je vais l'exécuter via un simulateur et ça va être beaucoup plus long. Donc si je veux le compiler en ARM, alors c'est pas comme ça, je vais compiler ARM GCC, ça s'appelait tableau, premier tableau. Et pour l'exécuter, donc j'ai l'émulateur. Et là, vous voyez, si on temporise la chose, ça prend un temps qui cette fois n'est pas négligeable. Bon, donc l'émulateur est peut-être pas terrible, mais on suppose que il est quand même fait correctement. Hein. Donc il prend une centaine de fois plus de temps que, bon c'est pas terrible, hein, que de temps que le programme standard. On vérifie qu'il n'y a pas grand monde sur la machine, moi je suis quasiment tout seul sur cette machine là. Hein. Donc c'est moi qui prends le temps de la machine. Donc et si je réexécute la commande, voilà, donc il donne toujours à peu près le même résultat, 2 secondes. Un peu plus, un peu moins, 1,9 là, c'est pas mal comme différence. Bon, autour de 2 secondes, donc on va dire sur quelques essais. Alors, je vais faire pareil, donc je me rappelle dans un coin, 2 secondes pour le tableau. Je vais faire pareil, voir comment ça marche pour le chaînage, pour le programme de chaînage. Donc le programme de chaînage est un petit peu plus long. Bon, donc il y a définition de la structure, initialisation, puis ici, donc il y a la répétition du traitement qui se trouve ici. C'est ça qui m'intéresse. Et puis donc j'avais enlevé ça pour peut-être que ça aille un poil plus vite. Donc le traitement, j'ai dit 100 fois. Donc voilà mon programme. J'essaie de le recompiler. Donc celui-là que j'appelle chaînage. Alors, il y a aussi un warning, c'est pas le même, mais il n'est pas content, c'est pas grave. Et j'ai essayé de l'exécuter, donc au final, on dirait que le programme que j'ai fait est un poil plus rapide, effectivement. Sauf de temps en temps. Mais là aussi, il faut regarder si on est tout seul. Je suis toujours tout seul sur la machine. À peu près, c'est moi qui utilise tout le CPU. Donc pourquoi ça va plus vite sous cette forme-là? Alors, pour l'info, ça va plus vite. Bon, ça dépend quand même du processeur qui est derrière. C'est-à-dire que... là, c'est ce que je voulais montrer, donc je suis content de le montrer, que un tableau va moins vite des fois, dans certains cas, qu'une séquence chaînée. Si on remet, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, une boucle est un peu plus lente, parce que on va exécuter directement GCC, pardon, donc sur le programme qui prenait 3 millisecondes, c'était pas significatif, mais si on prend le programme qui fait plutôt 1000 fois la même précédent, on arrive à, donc c'est assez irrégulier, ceci dit, mais bon, on va dire dans les meilleurs cas 0,25 secondes à un quart de seconde. Et si, donc ça c'est sur le processeur, le vrai processeur, pour une fois, pas émulé, et pas un processeur ARM, mais un processeur Intel, x86 64 bits. Donc premier tableau avec lui fait en 0,25 millisecondes, donc 0,25 secondes, pardon, 250 millisecondes. Et si je fais chaînage, bon, lui il n'est pas content, mais c'est pas grave. Que je... Lui par contre, sur ce processeur là, pas émulé, mais c'est pas forcément une question d'émulation, ça va beaucoup plus lentement, le chaînage, que le... bon, de temps en temps, on arrive là à un temps qui se rapproche de l'autre. Et il n'y a pas de nouvelles personnes, et le processeur est toujours à peu près... Je suis toujours le seul à utiliser les choses, les autres ne sont pas là depuis un certain temps. Alors, ce que je voulais vous montrer en plus, du coup, donc on va peut-être pas aller trop loin, mais c'est essayer de compiler les choses pour voir un petit peu l'assembleur que ça donne. Donc, je compile. C'est de comprendre pourquoi éventuellement ça peut coûter ou pas, parce que ça dépend donc du processeur. Je compile avec l'assembleur x86 et je regarde le code, si je peux trouver des choses intéressantes dans ce code-là. Ce qui m'intéresse, donc il doit y avoir une boucle à 1000, 10 000 et une boucle à 2 boucles à 10 000. Donc je cherche, donc ben là je vois arriver à 9999, donc ça c'est l'une des 2 boucles à 10 000, et donc ça c'est la première boucle, là elle est la première boucle, c'est la boucle d'initialisation. Puis là je dois avoir une boucle de 99, ça, là je suis un peu étonné. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris premier tableau ou tableau? J'ai dû prendre... Bon, c'est pas très important, mais on va voir la commande que j'ai fait. Oui, j'ai pris tableau, donc je voulais faire premier tableau. Donc, je reviens. Donc, j'ai une boucle d'initialisation et puis premier tableau. Eh oui, mais il faut que je fasse aussi. Excusez-moi. Donc, initialisation, première boucle, deuxième boucle. Et la deuxième boucle, donc c'est ça qui m'intéresse, la boucle de traitement. Alors, est-ce que je trouve quelque chose qui ressemble à un traitement, donc avec un test? Donc, quand... Voilà, oui, enfin, je vois des choses. Si je remonte un petit peu en arrière, voilà. Donc le test ici, 9999, donc de 10 000, en fait, il y en a deux possibles. Et la question aussi, c'est de savoir si c'est un test au début de la boucle ou à la fin de la boucle. Là, vu qu'il y a des choses qui sont après, ben, ce test-là, c'est celui de la répétition de la boucle, et ça, c'est plutôt la boucle de traitement. Donc, et quand on a fini un corps de boucle, on retourne en L6. Donc ça doit être ça, le calcul de S plus quelque chose, donc qui fait donc 1, 2, 3, 4, 5 instructions, plus la comparaison, 6 instructions. Donc il y a 6 instructions pour faire le corps de boucle. Et on voit, donc il y a deux moves, donc c'est des traitements avec la mémoire, et puis deux additions, et puis une comparaison, et à nouveau un saut. Donc j'ai dit 6, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 7, parce que le saut conditionnel, il faut le prendre en compte. Donc 7 instructions pour faire le corps de boucle, si je regarde. Alors c'est chaînage, c'est le deuxième programme. Donc pareil, je vais chercher, alors cette fois il y aura un test à 1000 ou 99 peut-être, hein, pour, non 10 000 pardon, pareil, ça c'est pour la répétition, mais il n'y a pas un deuxième test à 90 000 parce que c'est plutôt test à 0, et on voit là effectivement un test à 0, savoir si on est arrivé sur la fin de la séquence. Donc ça revient en L6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là on a 8 instructions au final, on en a plus que précédemment. Et dans les 8 instructions, effectivement, on n'a qu'une seule instruction d'addition. Toutes les autres instructions, c'est des instructions d'accès à la mémoire et de comparaison. En comparaison, c'est aussi une addition et un traitement relatif. Alors, au final, au niveau assembleur, on a beaucoup plus. Donc on a effectivement plus d'instructions d'accès à la mémoire dans la version pointeur, ce qui était prévu, mais il n'y a pas, et pas beaucoup d'instructions arithmétiques, mais dans la version tableau, au final, il n'y a pas beaucoup d'instructions, on va alors regarder, hein, pas beaucoup d'instructions arithmétiques, beaucoup moins que ce qu'on aurait pu. Pardon, je suis allé un peu trop loin. Donc... Ici, il y a alors, mais voilà, ces instructions, donc cette instruction-là qui semblerait être une instruction en mémoire, en fait, probablement, c'est une instruction où il y a de l'arithmétique qui est faite ici, et de l'arithmétique spécialisée pour accéder au tableau, ce qui fait que on a l'impression ici d'avoir une instruction d'accès à mémoire. J'avais prévu une seule, et là, il semblerait qu'il y en ait deux. En fait, celle-là, elle est beaucoup plus... elle est masquée, c'est une instruction qui fait pas mal de choses à la fois avec des instructions arithmétiques. Donc là, il y a des instructions arithmétiques maintenant que je retrouve, donc il faudrait compter. Et si je reviens pour voir s'il y a au niveau de chaînage aussi d'instructions arithmétiques qui étaient cachées. Donc, où c'est que c'est? Où c'est que c'est? Voilà, c'est ici, à L6, on revient ici. Donc là aussi, il peut y avoir des instructions arithmétiques qui sont cachées, hein. Move avec des moins 8 là, mais c'est d'instruction arithmétique, elle est assez simple probablement, il n'y a pas 4 arguments comme il y avait tout à l'heure, donc où il y avait probablement 2-3 additions qui étaient cachées. Donc on peut comprendre que du coup, il y ait donc en assembleur x86, ça aille plus vite avec le processeur. Si on fait la même manip de compilation donc de deux programmes en ARM cette fois, donc c'est pas le même jeu d'instruction, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est pas sûr qu'il y aura les mêmes instructions qui permettent de faire plein de choses à la fois, plein d'additions. Il faut les retrouver. Donc pareil, on va essayer de repérer les... Alors, vous voyez, c'est pas des tests à 10 000 hein, ou à 100 000, c'est des tests à pas très loin de 100 000, mais voilà, il y a des tests. Bon, on est arrivé à la fin, mais c'est probablement quand même ce genre de test-là. Alors, retrouver la boucle. Donc, on a les deux boucles ici. La boucle, comment elle se passe D'accord, c'est parce que 10 000, peut-être que ça rentre pas. C'est pas codable sur la dizaine de bits qui est autorisée. Donc, après, on ajoute encore 15. Donc, 15 plus 84, on va arriver à 9999. Et on va comparer avec peut-être la valeur 1 ou quelque chose de genre là. Et si c'est le cas, on va revenir un peu en arrière. On reviendra à L6. Donc du coup la boucle là elle est beaucoup plus longue. Elle fait tout ça pour s'exécuter. Donc alors là j'ai du mal à compter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 instructions pour le tableau. Et dans les 19 instructions, il y a des additions, des soustractions, des chargements de la mémoire. Là, il y a un peu de tout, ça c'est clair. Hein. Il y a du boulot. Il y a le boulot donc de récupérer les adresses, les indices. Et là, c'est fait de manière beaucoup plus élémentaire. Et au final, ça fait pas mal de calculs, ce que je suggérais tout à l'heure en voulant décompter un petit peu l'exécution. Si je regarde... La version chainage du même programme. Donc je vais chercher pareil. Donc, probablement le test à 10 000 va être aussi avec un test à 9 000 et quelques. Et on reviendra sur L7. L7, alors où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, il ne faut pas que j'aille trop loin. Donc j'en avais une quinzaine, 17, je ne sais plus combien de tests tout à l'heure. Là, j'en ai beaucoup moins. Alors ça, c'est le test ici, c'est pour faire 10 000 fois le traitement, et le traitement, c'est plutôt un test à 0. Et donc, le traitement, il est plutôt là, entre L6 et là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'a que 11 instructions, c'est beaucoup moins. Et effectivement, sur les 11 instructions, on a encore à nouveau des traitements de chargement en mémoire. Ça, c'est ce qui était prévu. Par contre, on n'a pratiquement pas, toujours pas, d'instructions d'addition et autres arithmétiques. Donc c'est bien ça, on a gagné 5-6 instructions. Et c'est probablement ce qui explique l'exécution plus rapide en ARM de la version chaînage par rapport à la version tableau. Voilà. Donc pour vérifier que ça marche toujours pareil. Donc, en général, donc, on aura une exécution tableau qui sera peut-être plus efficace, mais c'est pas dit. Hein, c'est peut-être de la même ordre à un facteur près. Hein, mais donc, si on fait le tableau, premier tableau, pardon. Ah oui, il faut que je recompile là-bas. On va vérifier. ABGCC. Premier tableau, c'est... Il râle pas, ça m'étonne. J'espère que j'avais bien compilé la bonne version tout à l'heure. Sinon, la différence entre les deux programmes, ceci dit, hein, je peux la montrer, entre premier tableau et tableau, c'est que... Ceci, ça m'expliquerait peut-être certaines choses. Donc, premier tableau, c'est celui que j'ai montré, avec simplement un tableau d'entier. Et tableau tout court, c'est pour essayer d'être un peu plus réaliste. Souvent, on n'a pas un tableau d'entier, on a plutôt un tableau d'objets, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de mémoire. Et donc, un tableau d'une structure de données avec un élément qui est un entier, puis d'autres éléments qui sont un peu n'importe quoi. Et donc, il y a un peu plus encore de traitement de mémoire ici, d'accès à la mémoire, qui concerne des additions et autres que dans le traitement. Donc on va, du coup, c'est peut-être pour ça que c'était à ce point différent entre les deux, mais on va tester. Alors tester, oui c'est bien, avec 100 quand même, il faut que de tous les côtés ça soit 100, parce que sinon ça sera pas équivalent. Alors donc, dernière exécution, dernière compilation en ARM. On va faire les droits. Premier tableau.c.e. Voilà. Donc lui, il râle pas. En plus, c'est bien. Réussir à créer un programme sans que ça fasse râler le compilateur. Oh, mais c'est que le compilateur... pardon, ça s'appelle Chainage. Ah, il n'y a que lui qui râle un tout petit peu. Et donc, on va réessayer l'exécution des trois et on verra bien si premier est un peu meilleur quand même, parce que je croyais avoir fait dans les tests que premier tableau était un peu meilleur. Donc c'est celui où vraiment tout est favorisé pour les tableaux. Donc premier tableau, là tout est favorisé, il y a vraiment le moins de calculs possible. Bon, il en reste, mais c'est comparable entre les calculs et puis les instructions de déplacement. Donc on a entre... ça varie énormément, ça je suis assez étonné. Donc à part le 1.3 là qui arrive deux fois, mais c'est un peu meilleur que ce que j'avais tout à l'heure. 1, 2, 1, 3, 2. Bon, donc on a des temps qui... bon, il faudrait peut-être prendre un peu de précaution avec les temps, mais on a des temps qui descendent jusqu'à 1.3 et sinon la moyenne, je saurais dire, hein, peut-être un 8. Donc le deuxième programme, donc celui que je pense avoir fait tout à l'heure, donc lui est à 2 secondes, 2 secondes 7, non pardon, oui 3 secondes, 2 secondes 1, 2 secondes, 2 secondes 5, et on va essayer le dernier. Deux secondes 4, 1 seconde 5, 1 seconde, ah c'est celui qui est descendu plus bas pour l'instant, 2 secondes 1. Bon, c'est assez instable les temps qu'il me fournit. Mais si on regarde le temps le plus court ou le temps le plus long, hein, parce que j'aurais tendance à dire que quand même le plus rapide des trois, c'est soit tableau, soit chaînage, mais c'est l'un des deux, et le plus lent des trois en assembleur. Et si on regarde la taille des fichiers assembleurs, donc on obtient... Les fichiers assembleurs, le plus court, c'est celui de tableau.s. Ah, de toute façon, le plus long, tiens, c'est... voilà, le plus long, ça m'étonne aussi. Tiens. Et tout le temps, on est étonné par le résultat. C'est pas ce que j'avais eu tout à l'heure. Il faudra que je vérifie pourquoi j'avais eu autre chose tout à l'heure. Peut-être que j'ai changé de code entre les deux. C'est peut-être avec les 10 000 que j'avais eu des résultats différents, je ne me rappelle plus. Donc, le programme le plus court, c'est en assembleur, mais bon, la longueur d'un programme, c'est pas forcément significatif, hein. C'est celui avec les tableaux. les tableaux. Plus court que celui avec les premiers tableaux, ça m'étonne, en assembleur. Le premier tableau, il était beaucoup plus simple. Oh, j'ai pas dû compiler les mêmes choses, c'est pas possible. Il y a dû y en avoir qui ont été compilés avec... ils n'ont pas été compilés en même temps, ça c'est clair. Qui ont dû être compilés 52, 58, 59, avec le 10 000 et d'autres avec le 1000. Bon, donc des conclusions, on va s'arrêter là, parce que après, il faudra que je regarde trop de choses. Entre les tableaux et le chaînage, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien? Se méfier. Hein. Regarder plusieurs aspects, l'aspect mémoire, et puis l'aspect mémoire, essayer de fouiller pas simplement ce qu'on imagine, mais aussi peut-être l'exécution, ce que j'ai pas montré, et puis l'aspect exécution, enfin, pardon, la mémoire à, dynamiquement, comment ça se passe vraiment quand on fait des exécutions, pas simplement en imaginant les choses en théorie, non, mais vraiment regarder dans la pratique. Et puis l'aspect exécution, pareil, il y a un aspect, on imagine comment ça va se faire, qu'est-ce qui devrait être plus rapide, mais après il faut regarder dans la pratique s'il n'y a pas des instructions qui sont spécialisées pour réaliser ce genre de choses-là, et si par hasard, même quand il y a plusieurs instructions qui sont faites, qui sont utiles pour faire ça, elles ne peuvent pas être faites en parallèle, en pipeline, parce que les processeurs aujourd'hui, en fait, s'arrangent pour... pouvoir différencier un certain nombre d'opérations qui peuvent être faites de manière indépendante et les réaliser en même temps. Et du coup, c'est à l'exécution, bon, c'est peut-être sur des détails aussi, mais à l'exécution qu'on pourra vérifier qu'un programme est plus rapide qu'un autre. Mais du coup, c'est même pas, donc dans certains cas, c'est même pas garanti que le truc le plus simple soit le plus rapide. Il se peut qu'une version un peu plus complexe, enfin plus complexe conceptuellement, hein, le chaînage est un peu plus complexe parce que dans la mémoire, les choses ne sont pas les unes à côté des autres, donc on a plus de mal à imaginer. Un homme rangerait jamais ses affaires comme ça, un morceau par ici, un morceau par là, un morceau pour faire des traitements, c'est la catastrophe. Un traitement humain, hein. Donc il a des conceptions humaines de rangement qui sont beaucoup plus... On met tout au même endroit, comme ça, si on veut faire un traitement dessus, ben, on passe de l'un à l'autre très rapidement. Mais une machine, elle, ben, ça peut être plus efficace pour elle de ranger les choses, un morceau ici, un autre morceau là, et puis un autre morceau avant, et revenir comme ça dans la mémoire. C'est peut-être pas ce qui est le plus coûteux au final. À tester donc.